C'est à tous sous Gozi, Mandafori, Bonimanguru. Aujourd'hui, on est avec Padou. Simplement, allez le suivre sur Instagram. Padou Loulou sur Instagram et sur YouTube, Padou Jao. Simple. Alors aujourd'hui, suite au vote hein, des quartiers et tout, on a décidé qu'on allait faire à Barbès, du coup, la vidéo SAP. On a eu des bonnes réactions, hein, des bons trucs. Hein. Ah oui, oui, on a eu des bons trucs et des belles personnes. Voilà, et dites en commentaire, bien sûr, la ville où vous voulez qu'on vienne pour les vidéos et aussi le quartier. Bah voilà. Du coup, let's go, hein. Let's go, let's go. Hein. Bien. Oui. Vous êtes ministre ou quelque chose ou vous êtes Non, je suis pas ministre. Parce que vous êtes habillé comme un ministre. Je suis un pré-retraité. Ok, ça marche. Okay, oui, ouais. Alors du coup, monsieur, on aimerait savoir du coup le prix des habits et la marque. On va commencer par la veste en haut de costard. Combien? Non, le prix d'en haut de la chemise. D'abord de la veste, ouais. C'est 200 euros. 200 euros. C'est ouais. Quoi la marque aussi? La marque, bon. C'est une veste sur mesure. Ah, ouais, qu'un Congolais qui m'a fait. Ah ouais. Pas mal ça. Du coup, la chemise. La chemise est une chemise ordinaire que j'ai achetée. C'est pas aussi sur mesure? Non, ça passe sur mesure. Ok. Ah ouais. C'est combien à peu près, je pense? La chemise, c'est 60 euros. Ok, ça marche. Café coton. Ah, c'est très bien, c'est une belle marque. Hein. Ah c'est bien, ça. Ah. Ensuite, la belle cravate. Ça. Ah ouais. C'est quelle marque et c'est combien? La cravate, c'est Valentino. Oh, bien. Ouais. Et c'est combien? Hein? C'est combien à peu près pour vous? La cravate, c'est 80 euros. Ouais. Ensuite, le petit mouchoir de poche. Le petit mouchoir ouais. De poche, c'est un Congolais qui me l'a fait. Oh, c'est un Congolais? Ouais. Dis donc, c'est bien. C'est bien. Ensuite, du coup, le bas du coup, de costard, c'est combien à peu près? Le costard, le pantalon, ouais. Bien comment? Pantalon. Non, le pantalon, c'est 70 euros. Sur mesure ou pas? Non, pas sur mesure. Ok, ça marche. Un prêt-à-porter. Et ensuite, les chaussures, du coup? Les chaussures, c'est des chaussures moyennes. Non, c'est des chaussures. C'est en cuir, comment c'est en cuir hein. Ça coûtait 100 euros. 100 euros, ok. Ouais. Ensuite, monsieur, votre belle bague, c'est en or? Non, c'est plaqué or. Ah, plaqué, ok, plaqué. Plaqué combien, or. Combien? C'est une bague qui m'a coûté 60 euros. 100 euros. Ouais. Et là, vous avez aussi un beau bracelet. Et, un beau bracelet, le bracelet, c'est 50 euros. 50 euros. Ouais. Et du coup, la deuxième bague ici? La deuxième bague, pareil c'est aussi, le même prix. 50 euros aussi. Ouais. Ensuite, le beau chapeau. Parce le que nous, chapeau. Chapeau, hein. Non, chapeau. Le chapeau, c'est 49 euros. 49 euros. Et la marque? La marque, c'est une marque un peu ordinaire, je ne sais pas. Bon, je ne fais pas attention, mais les chapeaux, sinon, c'est une marque anglaise. Anglaise. Chapeau, c'est bien un chapeau, hein. Ah, oh, le chapeau, ouais. C'est des lunettes. Les lunettes, c'est des lunettes, comment on appelle cette marque-là? C'est des lunettes Yves Saint Laurent. Ah, ah ouais, monsieur, ouais. Et c'est combien à peu près? Les lunettes, c'est 300 euros. Ah là, vous avez mis le prix, hein. Ouais, les lunettes, ça coûte cher. Ah, oui, c'est important. C'est surtout la monture, il coûte cher. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, monsieur, merci beaucoup. Hein. J'aimerais savoir le prix et la marque de vos vêtements. Donc on va commencer par toi. Quel est le prix et la marque de ton petit gilet? Celle-là coûte 285. 285 ouais. Ok, ok. Et c'est une quoi? C'est une Pyrenex. Pyrenex ouais. Ok. Et le prix de ton gilet, c'est un gilet? 45 je crois. 45 euros ouais. Et c'est quoi comme marque? C'est Adidas, Bayern de Munich. Ok, ok. Bayern de Munich, ok. On peut savoir le prix et la marque de ta sacoche? C'est Louis Vuitton. Louis Vuitton? Ah, si, si. Elle coûte 845. Combien? 845. 845? Ah ouais. Tiens, la monnaie, toi. On peut savoir le prix et la marque de ton pantalon? 50 euros Sergio Tacchini. Ok, 50 euros le survêt? Ok, ok, montre un peu. Pas de soucis. On peut savoir le prix et la marque de tes chaussures? 90 euros. 90 euros? Ok, toi tu roules sur, tu marches sur l'or un peu. On peut savoir le prix, la marque de tes bagues? Là c'est une Givenchy. Givenchy? Elle coûte 135. 135 euros ouais. Ok, ok. Et l'autre bague? Là je l'ai acheté 20 euros. 20 euros et c'est une quoi? C'est 23. Ok. Tu l'as ramassé où celle-là? Ok, pas de soucis. Okay. Salut les gars, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va bien, ça va bien? Alhamdoulilah, ça va. Vous êtes bien. Quoi, algérien ici là? Ouais, je suis algérien. Algérien? Ouais, okay. Moi aussi algérien. Du coup, on aimerait savoir le prix des habits et la marque. D'abord, le pull. C'est quoi la marque et c'est combien? Le pull? Ouais, celui-là, il est pas mal. Ah, je sais pas le pull. C'est un cadeau? Un cadeau. Un cadeau, voilà. C'est un cadeau. Voilà.
Ensuite, la belle montre là. Ah ouais, ouais. C'est un cadeau. C'est... cadeau aussi voilà. Par qui? Par une femme. Ensuite, ceinture Louis Vuitton. Ouais, Louis Vuitton. Combien? C'est un cadeau. Encore? Toi, j'ai un peu une misto, hein. Tu misto les. Voilà, voilà, tous les habits cadeaux. Eh, voilà. Il se fait bien. Hein. Cadeau, on fera la France, il m'a donné cadeau comme ça. Ok, ça France. Okay. Du coup, maintenant à toi. Du coup, le survêt de Nike, combien? Combien c'est chez ça? Combien c'est? 135. Ouais, bah, 135, ouais. Ensuite, la sacoche Louis Vuitton. Combien? Cadeau. Cadeau aussi? Ouais, cadeau. Ouais. Qui, de qui? Une femme ou? Ouais, femme. Ensuite, les TN. Ah, Naibay, 180. Combien? 180. 180? Ouais. T'as ou pas des bracelets ou une montre? T'as quelque chose? Ouais, c'est bon? Ok. En tout cas, pas cher ça, hein. Ça c'est 30 euros, hein, vite fait. Hein. Tranquille. En tout cas, merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, la veste. C'est quoi la marque et c'est combien? La veste, je sais pas. Je sais pas, une idée de prix, une tranche de prix, une idée. De prix, je sais pas, 30. 30 euros. Et la marque Non, la marque, non. Ok. Ensuite, le t-shirt jaune là, combien? Et la marque? T-shirt, je sais pas trop. Hein. On va dire 15 euros, 20 euros. 15 euros, 20 euros. Okay. Ouais. Ensuite, le jean noir là. Le jean noir, ouais. Pratiquement le même prix. Hein. 25 euros aussi? Ouais. Voilà. Quelle marque? La marque, je sais pas trop l'intérêt. Okay. Ensuite, les baskets. C'est un cadeau. Cadeau aussi, cadeau. Ouais. Ok. Et ensuite, les beaux colliers là, faut le dire. Hein. C'est du vrai or ou c'est du plaqué? Bon, c'est les deux. C'est Il y a deux. Le vrai or et le plaqué. Alors, le vrai, c'est combien le vrai? Le vrai, c'est 150 euros. 50 euros, ouais. Ouais. Et le plaqué, c'est combien? Et le plaqué, on a dans 50 euros, toi. Ok. Ensuite, bah, du coup, ta bague, du coup, t'as quoi une bague? T'as une bague, ouais. Combien? Bon, la bague, c'est un cadeau d'un ami. C'est de l'or ou pas? Ou c'est du plaqué? C'est le plaqué. Ah, ok. Ouais. Donc, tu penses combien hein? Peut-être 50 euros? Je sais pas trop, parce que c'est un cadeau. Ok. C'est un cadeau. Ensuite, le sac. T'as juste le montrer à la caméra, le sac. Un Kipstar, combien à peu près tu penses? Combien à peu près? Vas-y, je l'ai acheté à Decathlon. Ouais. Ouais, je l'ai acheté à Decathlon. Oui. Je l'ai acheté à Decathlon environ, si je me trompe pas, 60 euros, un truc comme ça. Ok. Ouais. Et pour finir, bah, du coup, bah, les boucles d'oreilles. Hein, pour finir. Hein. Les boucles d'oreilles, ouais, bah, j'ai acheté au marché. Donc combien? Environ 15 euros. 15 euros, ouais. Ok. Bah, c'est vrai, je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais. Ouais, c'est bon. Hein. Ok. Ceinture ou pas? Ceinture? Ouais. Oui, ceinture. Louis Vuitton ou pas? Non, c'est pas. Ah, Louis Vuitton. C'est en cuir, c'est un bien. Cadeau encore. Cadeau, ok. Ouais. Bon, okay, merci beaucoup. Hein. Merci bah, beaucoup. Bah, hein, de rien. Salut mon gars, comment ça salut va? Salut, et toi? Tu as la forme toi? Ouais, hein, on est dans le 18ème comme d'habitude, bonjour tout le monde. Barbès, on connaît. Hein. Ouais, okay. Du coup, on aimerait savoir, tu connais bah, le prix et la marque. On va commencer par d'abord Kalenji. C'est combien ça? 10 euros. 10 euros, ok. C'était le, cash. Le t-shirt est indomptable. University of Mary Washington. Ouais, ouais. Combien? Ça, ça m'a offert quand j'ai eu mon bac. Ah, quand t'as eu ton bac? Ouais, bon. En... ce jean là? Ça, c'est le numéro 2. Tout. Ouais, et Disco d'accord. RL. Disco... Combien? 250. Et quand même, hein? Ça, j'ai payé ça il y a une semaine. Combien? Tu m'as? Ça? J'ai oublié, ça coûte combien? C'est à New York, j'ai payé ça. Plus de 100 ou moins de 100? Plus de 100. Plus de 100, ok. Ok, ouais, ouais, c'est Arthur Moloko, premier du nom, l'homme qui valait 1 milliard de francs CFA. Ah! Non, je suis. Ok, on est ensemble. Il y a le photographe, voilà. Le collègue, il est ouais. Trop pété. Je transpire, moi, la chemise, elle est en maillot. Non, pitié, il est là. Voilà. Il a acheté la veste à Barbès, 50 euros. Non. Allez, Chili. Elle est excellente, Attends. On regarde parler de lui. Bah oui. Il est en maillot. Ouais. Ça vient de chez Zara. Ouais, 50 Zara. Euros. Zara, non, pas 50 euros. 60, 70. Ouais. La chemise. Là, ah, ça, 100 euros. Ah, voilà. Ah, Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Ouais, okay. Et le pantalon. Et la montre Tommy Hilfiger. Et le pantalon H&M. et les baskets. Ah, c'est quoi? Chez Zara, 10 euros. En promotion. Voilà. Bon, c'est carré. Bon, tu vois, non, on est dans le... Sapologie. Le placard d'identité. Par exemple, ta chemise. Ta chemise, c'est Dolce Gabbana. Gucci Gabbana. Ok. Ta casquette. C'est toujours Dolce. Ok. Le prix de ta casquette. Mais ta casquette, en tout cas, ça coûte trop cher. Ça coûte. Combien?
Combien? 140 balles. 140 euros? Ouais. D'accord. La petite chemise, elle coûte combien? Les chemises, ça coûte 280 balles. Ok, ok. Ah, c'est bien. Ouais, c'est... Et le pantalon? Le pantalon, c'est du Suarez. De Suarez? Ouais. Ok. Combien le pantalon? C'est quand le pantalon, ça coûte 200 balles. Ok, 200 balles, ok. Et on peut savoir le prix des chaussures? Et la marque des chaussures? C'est Dolce Gabbana, ça coûte 720 euros. Ok, pas mal, 220 euros. Ok, pas mal. Et on peut savoir ta montre? Le prix et la marque de la montre? Non, ça coûte trop cher. Enfin, là, j'étais pas à te dire. 10 000 euros à peu près? C'est 3000 balles. 3000 euros? D'accord, ok. Et on peut savoir le prix et la marque de ta bague? On voit que tu as une bague. Et ça, c'est Bulgari. Ok, ok, ok. D'accord. Et combien le prix de la bague? La bague, ça coûte 180 balles. 180 euros. 180 euros? D'accord. Et le sac? Ça, c'est le sac, ça coûte pas trop cher. Ça, c'est... Combien à peu près? C'est 5 euros, c'est tout. Ok, ok, bah c'est déjà ça, hein, 5 euros. Ok, bah. Ok, et ton collier, il coûte combien? Ça, c'est Louis Vuitton, c'est l'original, ça coûte trop cher, bon. Combien à peu près? 280 euros, bah. Ah ouais, quand même, 280 euros. Ok, on a fait le tour. Ok, bah merci beaucoup en tout cas.